Alors l'histoire, vous savez que je te sens motivé. L'histoire déjà, dans un premier temps, c'est un groupe qui a été créé un petit peu avant les années 2000, au tout départ. Parce que David, on était tous les deux au collège, ensemble au départ. Donc on a pas mal galéré, on a changé beaucoup de musiciens, le line-up il a bougé un nombre de fois monstrueux. On a même arrêté une période et on a vraiment redémarré en 2012 avec mon frère, du coup on jouait avec son frangin, donc voilà. Et Laurence est arrivé en 2018. Ah oui, excuse-moi Fabrice. En combien, 2016? En 2016, ouais. Ouais, 2016, voilà. Et on a eu un chanteur avant Laurence, bien évidemment, et on a vraiment sauté le pas à faire régulièrement des concerts depuis 2018, on va dire. Et on a sorti un EP en 2020. C'est ça, le 5 titres, voilà. Ouais, pour élargir un peu le concept, le truc c'est qu'on a tout de suite devenu un peu bizarre et rien n'a été simple pour nous. Et rien n'est jamais simple et je crois que rien ne sera jamais simple pour nous. Donc c'est un peu ça le concept de Inner Torture, c'est qu'on est toujours en train de se demander si on fait les bonnes choses ou pas. Et on a beau tout faire pour que tout se passe bien, il y a toujours un truc qui se passe mal à un moment donné. Donc voilà. C'est sur le thème de la difficulté de la vie, de la difficulté à faire des choix en fait. Toujours ce doute, tu sais jamais si tu fais le bon choix, mais tu es tout le temps en train de te poser des questions pour savoir si tu as fait une connerie ou quoi. Alors, on va dire que c'est moi qui compose à peu près à 80%, mais j'arrive rarement avec des compos tout faites. J'ai souvent besoin d'un déclencheur, donc c'est soit Fabrice qui me balance un petit bout de riff, tiens, je me dis tiens, ça fait une intro, puis il y a d'autres riffs qui en découlent. Ou alors c'est en amenant un bout de compo, Laurence ou Cédric qui ben tiens, on pourrait passer sur une ambiance un peu plus cool ou un truc un peu plus rapide, et puis voilà, on propose des trucs et puis on choisit ensemble. Personnel, pour moi, c'est plutôt le trash des années 90. Donc ça s'entend pas mal. Il y a du Slayer, il y a du Creator, des trucs comme ça. J'étais un grand fan de Megadeth au début, de Metallica. J'ai écouté pas mal de Heavy aussi quand j'étais jeune, donc ça s'entrechoque un petit peu tout. Et puis après, il y a chaque membre ramène un peu. Moi, c'est plutôt. J'aime bien l'industriel. Death Metal surtout, avec Load Blast, Fear Factory, j'aime beaucoup aussi, ces influences. Moi c'est ultra vaste pour le coup, et au niveau métal c'est à peu près tout, donc c'est pas... En vrai c'est à peu près tout, tant que je m'ennuie pas, mais au niveau des influences ça peut s'entendre que des fois ça va aussi bien être trash que du générique d'animé ou de la musique classique. Très black metal moi c'est... Très influencé par le black. Donc, bon, un peu Slayer, voilà, tous les trucs des années 90, et très black metal. Alors, sur scène, c'est pas compliqué, donc moi je suis entièrement en os, au niveau ampli. J'ai un petit multi-effet où j'utilise 4 effets, en gros, reverb, delay. J'ai un petit pitch shifter et puis ça fait une wah-wah. Donc ça pour le live, j'utilise que ça. Au niveau de la batterie, moi j'ai une Tama Star Classic. Voilà, et puis en cymbale, je suis exclusivement en Zijian Custom et Minol au niveau de la ride de mon batteur préféré, que ça de l'air. Pour la basse, moi, je suis sur Ibanez pour la basse, Marc Bass pour l'ampli et SWR pour le corps. Puis j'ai une petite disto, un peu de chorus, un peu de... D'accord, c'est bon. J'ai
c'est pas qu'un micro. J'ai un four, j'ai un Beta 57. Ah. Et après, sinon, j'ai des pédales en fait sur lesquelles je branche le micro. Donc, j'ai une pédale Zorg Effect qui permet d'avoir un pad au niveau du son et de pouvoir monter bien dessus et de se brancher ensuite. Donc, ça permet de passer du XLR au jack sur une coupe d'effet. Et donc, j'ai deux pédales d'effet pour avoir de la reverb et j'en ai deux différentes selon que je suis en chant clair ou en saturé. Et celle que j'utilise en chant clair, elle me permet d'avoir un boost si jamais c'est un peu en dessous de ma voix. Projet à super court terme, jeudi on joue à Clermont. Ensuite on est en négociation pour une date au mois de mars, il y en a une au mois de mai, sûr. Il y en a une au mois d'août, normalement sur un festival dans la région là. Et ben, pour l'instant c'est tout, mais bon voilà, pour l'instant. Oui, il y a des nouvelles compos qui sont composées à 90%. Il faut qu'on trouve du temps pour pouvoir les répéter, les intégrer au nouveau set. Ouais, okay. Y a plein de trucs en route. Et puis, voilà. Charger, enregistrer les nouvelles compos, essayer de trouver du temps pour enregistrer un album. Et trouver d'autres concerts. On est bien occupé.